suis obligé de rester derrière. Ça me saoule. C'est pas grave, y'a un pont. Youhou. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'était la musique de Lady Gaga. Vous savez qui joue piano là dans Une Star Is Born, je sais pas quoi là. Ouais, foutez-vous pas de mon anglais. Je vous l'ai déjà dit, mon anglais is very very good. Yo yo yo. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un beau soleil pour le mois de février. Oui, on est en février. Un beau soleil, pas de nuages, ça fait plaisir. Bon, j'ai quand même mes sous-gants, je vais pas vous mentir. Hein. Il fait un peu frais. Hein. Je suis parti, il faisait 7 degrés. Je suis parti, il était même pas 10 heures. Ouais, j'avais envie de rouler de matin de bonne heure, tranquille. Que vous dire pour cette reprise de vidéo? Qu'est-ce qu'il y aura cette année? Bon, écoutez, moi-même, je le sais pas. Donc, on verra bien. Du moins, il y a plusieurs petites choses. Déjà, j'ai acheté des nouveaux accessoires pour la GoPro. Je vais vous montrer, tu vas pas attendre toi, non? Tranquille. Je vous montrerai après ce que c'est les accessoires. Une chose en son temps, bien sûr. À pas se dépêcher. Et je vais vous souhaiter aussi la bonne année quand même. Bonne année? Hein? Comment ça? Comment ça, il est trop tard? Ah, mais je vous ai pas vu au mois de janvier ni au mois de février, donc bah. Je vous dis bonne année au mois de mars. Ça ira, vous inquiétez pas. Alors, du coup, avec un nouveau plan, voilà ce qu'on peut faire. On peut faire. Hop! Ça! Eh ouais! Alors, vous en pensez quoi? Vous êtes à la vue de tout. Un petit tour de rond-point. Allez hop, rien que pour le plaisir. Donc vous avez vu, maintenant on peut faire ça. C'est top. Regardez, elle est juste là la caméra, vous la voyez? Là. Franchement c'est cool. Mais des fois elle bouge. La fixation elle est pas très top. Donc honnêtement, c'est bien, mais à la fois c'est pas bien. Mais vous savez, on peut aussi faire ça. Eh ouais, coucou. Eh ouais, on peut faire ça. Vous voyez? Ça peut être top. Hein. Donc maintenant, bon, belle transition. Hein. Petit virage. Je vous regarde, mais vous me voyez pas. Eh oui, belle petite visière iridium. Oh, regardez-moi ça, comment je suis beau. Oh, bonjour toi. Ce que vous voyez pas, c'est comme sous de mon casque, genre je hausse les sourcils. Ouais, je sais, ouais. Ah, c'est con. Et donc maintenant, de quoi on va parler du coup? Est-ce que c'est la fin de la vidéo? Eh ben non! Eh ben du coup, là déjà je fais demi-tour. Parce qu'en fait, je suis venu juste là pour vous montrer un peu les paysages. Hein. Enfin, les paysages, vite fait. Hein. Bon, je suis venu là. Pour tester un peu déjà les accessoires de la moto. Donc bon, je les ai déjà testés dans une autre vidéo, à part celui-là. Celui-là, j'avoue, je l'avais pas encore testé. J'espère que ça va rendre bien. Honnêtement, j'en sais rien du tout. On verra bien. Je vous le cache pas. Hein. C'est que j'ai acheté le blouson Riley. Alors, pourquoi je l'ai pas encore? Parce que je l'ai pas encore reçu. Peut-être au moment où la vidéo sort, je l'ai peut-être reçu. Dans tous les cas, attendez-vous à avoir une vidéo dessus, vous allez vous en douter. Sur la chaîne, il va y avoir aussi un nouveau petit concept que je vais faire avec madame. Je vous en dis pas plus. Elle aura sa caméra, j'aurai la mienne. Vous allez voir ce que ça fera. Voilà, c'est tout, tout simplement. Tout simplement. La 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 la. On s'en fout, hein, ouais. L'accessoire a l'air de tenir quand même, ça va. Je suis pas mécontent pour l'instant, bien que ça a l'air d'être un accessoire de merde quand même, on va pas se mentir. Ça se trouve en plus, vous avez les vibrations. La vidéo elle fait. Mais je tenais à vous dire aussi que je suis ambassadeur. Ambassadeur de la marque Rayleigh, les gens. Eh oui. Alors en soi, qu'est-ce que j'y gagne? Bon, on peut gagner des flyers, une batterie externe pour le blouson. On peut gagner. Oh, elle est vraiment dégueulasse la route. Hein. On va peut-être ralentir un petit peu, au moins vous aurez un peu moins de secousses. On peut gagner un blouson Riley. Un deuxième.
Mais il est taré ce mec. Mais il est carrément toc toc. Ouais ouais. Alors en soi je ne fais pas ça pour les récompenses. Bien que c'est vrai que si j'aurais un deuxième blouson, j'en serais satisfait, pourquoi pas, je donnerais surtout à ma femme pour qu'on en ait un. Pour moi la sécurité est primordiale. Maintenant moi ce que je veux c'est faire connaître la marque. Alors déjà auprès de vous, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le blouson rayé, c'est ça. Donc là je vais faire le tour de quelques concessions, on est samedi matin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les concesses. Et en fait mon but c'est de parler un peu de la marque à des concessionnaires. Et je vais en parler, on est dans un groupe de que la marque Rayé a lancé. Une femme a eu un accident avec son blouson rayé. Alors franchement, ça va, le blouson n'a rien. Et elle aussi, tant mieux. Encore heureux. En soi. Est-ce que le blouson a fait son job? Je pense que oui, déjà avec les coques de protection de niveau 2, on va pas l'oublier. Et je pense que le blouson y a fait son job. Maintenant, en soi, on peut pas voir au niveau de l'abrasion. Perso, j'ai pas envie de le tester. Je touche du singe, je touche ce que vous voulez, vous. Oh, je vous touche vous, ça fait quoi? Regardez-moi ce beau soleil. Alors vous, ça vous nique peut-être les yeux, mais moi pas du tout. Par contre, j'ai pas regardé le panneau. C'est pas où ce clin? Ce clin, c'est pas tout droit ce clin? Tout droit, ok. C'est pas où ce clin? Ce clin, c'est pas tout droit ce clin? Tout droit, ok. Merde, putain, fais chier. Ah, fais chier, putain de merde. Ah, fais chier. Ah, putain. Ah, ah fais chier. Hein? Non, ça va, j'ai un pantalon, mais ça va. Ah, putain de merde. Ah, fais chier, c'est quoi, c'est mon carter qui a pris, non? Oh putain. Oh, je suis dégoûté. Attends, vous avez rien, ça va, ça arrive. Ouais, mais bon, là, la moto. Ah, elle est quand même. C'est pas grave, la moto, t'as rien là. J'ai mal à mon pied, mais ça va. Ah, fais chier, putain de merde. Ah, putain. Ah, en fait, j'ai regardé le panneau. Et en même temps j'ai pris mon virage, j'ai pas fait attention. Putain mais je suis un de ces boulets. La vie de ma mère. Ouais ça arrive hein. Ah putain merci les gros. Ah putain. Ah putain mais je suis un de ces boulets, la vie de ma mère. Putain. Ah putain. Je suis dégoûté. Ouais ça va aller merci. Non ça va aller merci. Non ça va aller merci. C'est gentil. Merci. Je suis dégoûté pour un meule putain. Fais chier. Après en soi là ça va c'est un embout de guidon là c'est les. La roue elle est pas voilée, elle a pas l'air. Chier, je suis un de ces boulets, la vie de moi. Ah, en fait, je connais pas trop la route, du coup, je suis un peu en mode exploration, tu vois. Allons-y, let's go. Je cherchais à aller à ce clin. Je vois pas nous ce clin, je me dis bah nickel. Je commence à tourner, et en fait, j'ai pas fait gaffe que la courbe a été directe, tu vois. Je pensais que dès que tu repartais, après c'était droit. Et en même temps, je regarde le panneau, je tourne et je fais ça, et là, je fais merde. J'ai freiné, frein avant, frein arrière, et.
C'est boulé, putain. Bah, je te remercie. Ouais, pas de quoi, ouais, ça va, j'ai mal à mon pied, mais encore que j'ai mon pantalon de moto et tout. Hein. Franchement, mon pantalon il m'a bien protégé. Hein. Non, ça va. Ah non, je roulais pas vite, mais bon, j'étais encore à 50. Bah, de toute façon, tu verras la vidéo, hein, j'étais en train de filmer. Chier, putain, je suis dégoûté. Ah, attends, il y a les gendarmes qui se sont arrêtés là. Ok. Je te rappelle après. Ouais, bah, je t'enverrai un message. Ok. Je t'aime, d'amour. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va, ça va, j'ai chuté juste là. Ah d'accord, ok, je me dis que c'était bizarre que ça y arrêtait comme ça. Ouais, c'est... T'as besoin de quelque chose? Comment? T'as besoin de quelque chose? Non, ça va, bah non, je vais appeler mon assurance pour la dépanneuse, ça va. Ah ok. Je me suis équipé en plus il y a pas longtemps, donc ça va, ça m'a, okay. Ça m'a sauvé. Ok, ça marche. Dégoûté pour la moto, mais bon. Après l'essentiel c'est d'être... Ouais, de rien avoir, mais bon. De rien avoir, c'est du matériel. Ouais, okay. Bah je vous remercie, au revoir. Bah là on entend du coup le beau papa qui va venir. La vidéo s'arrête là. Je vous fais des bisous bisous. Bisous bisous Gossip Girl. Hein. Vous connaissez la chanson? When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. I didn't know what I had till I knew what was missing and everything.